raison d'appels à la grève émanant de l'ensemble. Les auditeurs d'RCFM vont devoir s'habituer. À partir d'aujourd'hui et peut-être toute la semaine, les micros resteront éteints lors de la diffusion des informations et d'une partie des programmes. Les salariés sont appelés à faire grève sur l'ensemble des antennes de Radio France. Un bras de fer s'engage avec la présidente du groupe public, Sybille Veil, qui a présenté la semaine dernière un plan de départ inédit. De 199 postes supprimés, soit 7% des effectifs d'ici 2022. Une situation dénoncée en Corse par l'ensemble des syndicats. On nous annonce 299 suppressions d'emplois sur l'ensemble du groupe, plus une réduction du recours au CDD, ce qui fait qu'on sait que notre travail il est déjà compliqué. D'année en année, on a toujours de plus en plus de choses à faire. Et là, on sera encore moins nombreux et on aura encore moins de renforts pour des remplacements, les maladies, etc. Autre source d'inquiétude pour les salariés, l'État a décidé de baisser de 20 millions d'euros sa participation au financement des 7 radios nationales et 44 antennes locales, dont RCFM. Le fait d'attaquer comme ça budgétairement une radio et de baisser donc les emplois par là même impacte directement cette fonction première de la radio de service public qui est de divertir, de cultiver et d'informer. Aujourd'hui en Corse, les auditeurs ont pu écouter certaines émissions d'animation. Mais la semaine sociale risque d'être très agitée sur l'ensemble des antennes de Radio France.